salut les amis, c'est Lisa, on se retrouve pour l'épisode 6 de Paper Please. Donc quand nous nous étions quittés, nous avons eu encore affaire à un terroriste. Donc un terroriste passe de nouveau la frontière. Contrôle pointé du doigt, un nouveau directeur pour le MTA. Allez, c'est parti, nous retournons au travail. Je retourne encore travailler dans mon petit KGB qui me sert de poste de travail. Alors, il faut que je note encore ceci. Alors, je reprends ma petite feuille pour la carte. Alors, inspecteur, nouveau directeur n'est pas satisfait du niveau d'examen appliqué aux étrangers. À compter d'aujourd'hui, tout entrant étranger devra présenter une fiche d'identité récente précisant son poids, sa taille et son apparence. Encore un dossier, encore un papier à analyser, à vérifier. Donc, ça fait quand même un peu beaucoup là, quand même. Section document du règlement a été mise à jour. Gloire à l'Arsoska. Ouais, encore un papier. Rien voir. Document. Fiche d'identité. Voilà. Donc, dessus, poids, taille. Une petite particularité, s'il porte des lunettes, s'il a les cheveux courts, si tout ça. Et une petite empreinte digitale pour vérifier. Ok. Donc, eh ben, nous sommes partis. Nous reprenons ce petit let's play. Alors, papier s'il vous plaît. Visite un mois, ok. Alors le premier truc que moi je vérifie c'est ça, parce que c'est assez rapide en fait, 1m75, voilà, 83 kg, c'est bon, il a une moustache. Et le 11-12, donc ça c'est bon. Alors, Michael... numéro, il est bon, visite à moi, 22-12-82, Boston République, c'est bon, la photo est bonne, let's go, hop. Allez, suivant, il faut que je me mette dans le bain, là. J'ai pas tourné depuis un petit moment, donc il faut que je me mette un petit peu dans le bain. Transit de jour, alors. Tu as une bonne vue. Ah, il a une bonne vue. Alors, 1m77, 118 kg, 14-12-82, ça c'est bon. Samael. Oh là. C'est pas du tout le même nom, mais non, pas du tout. J'ai plusieurs noms. Mais tout à fait. Nous allons vérifier. Mais c'est vrai en plus. Ok, les Renedy, c'est bon. Ok, c'est bon. Ah. Hey, monsieur le garde. Chaud. Tu me fais perdre du temps. Yes. Ok. Bon bah il se rattrapera. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est dit? Migration. Cheveux courts, 1m69, 84 kg, 15-12, c'est bon. Toc, le numéro est bon. Mergerose pour Bristan. C'est bon. Ça m'a l'air tout bon. Yes, c'est passé. Transit. Ouais, non, mais tu m'auras pas. Je n'ai pas pu me dire avant. Hop. Au revoir. Allez, suivant.
Ouais. Carte d'identité ou pas ou quoi. Dégage pour moi. J'en parlerai à mon entraîneur. Je m'en fous de ton entraîneur. Je le connais pas, il me connaît pas. Rien à cirer. Oh là 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 là. Alors, 1, je te donne ça. Voilà, 90 jours, ok. 1m75, 75 kilos, chauve, malheureusement. Sébastien Herrmann. Ok, le numéro, il est bon travail. Il a dit. T'as dit combien? 90 jours, ça va. Ça, c'est moi aussi. Intégrie, Gloriane. C'est bon. Non, j'ai dit que c'était bon. Peut-être pas. Oh, 4 papiers à vérifier, c'est super long. Alors, voyons voir. Bonjour madame. Toute l'année. 1m49, 50. Avec les cheveux ou sans les cheveux? C'est bon. C'était sans les cheveux. Alors, le numéro est bon. Travailler un an. Ok. Ça, c'est bon aussi. Et Boston en République, c'est bon aussi. Ok. Madame, c'est bon. Allez, suivant. Oh là là. Mais j'adore ce jeu, en fait. Je sais pas si je continuerai après que j'ai fait une fin. Enfin, j'ai pas trop envie de vous spoiler non plus, quoi. Deux jours, alors. Arrête de parler! Je vois pas tes trucs. Merci. 1m71, ouais. 49 kilos. Cheveux très très courts. Bon, si tu le dis. Alors, Frey, Pelsner, Tekitek, transit de jour, elle m'avait dit que c'était bon, sauf que ça c'est pas bon du tout, t'as un mois de péremption. Je viens de le renouveler. Ah non. Nope, nope, nope. Hop, bah. J'aurais bien fait dépenser mon argent pour un pot de vin. Ouais, ça m'aurait fait plaisir, ça me... J'aurais fini le mois comme ça. Visite. 30 jours, ok. 1m80, 86 kilos. Chauve. En fait, c'est là où j'apprécie que je sois en français parce que la description, bah. Voilà, si on n'est pas bon en anglais, c'est un peu chiant en fait. Voilà, c'est le truc que j'avais hâte qu'il passe en français en fait. Toc toc toc, Corista City, Furano. Ok. Oui, je suis contente en fait parce que je me suis fait avoir beaucoup de fois pour. À cause de ça en fait. Ouais, dans mes anciennes parties. C'était la fiche d'identité avec la description et. Voilà, c'est des mots qu'on voit pas forcément à l'école et voilà. Ça veut dire que j'ai un niveau assez médiocre. 1m73, 50 kilos. Tu es grosse? Tu as grossi pendant les fêtes? Ou tu as 3 kilos de plus? Alors, voyons voir. Souriez, madame. Voyons voir. Ça va, tu sais. T'as pas l'impression d'avoir un truc dans le dos? Vous avez vu quelque chose? Non, je n'ai rien vu. Je suis complètement aveugle. Ça se voit, non? Allez, revenez demain. Oh, bah j'ai passé 11 personnes. Ou 10. Faisons signaler votre fortune soudaine. Le mystère des revenus a saisi vos économies et lancé une enquête. Oh.
fuck you. Ok. Donc j'avais le pot de vin. On va pas manger. On mangera demain. Voilà. Paradis des criminels. La réputation de la Saska se détériore. République refuse l'asile en informatrice intègre. Ok. 6 décembre 1982. Il me reste 24 jours. Oh. Ok. Ça, toujours. Ça, tu dégages. Ça, clac. Clac. Alors, inspecteur, le ministre de la justice requête notre assistance. Les bulletins journaliers comporteront désormais une liste des 3 criminels internationaux les plus recherchés. Contrôler les villages. Les villages, bien sûr, les villages. Ben oui, les a. Apprends à lire un petit peu. Contrôler les visages des entrants et arrêter immédiatement tout suspect. Gloire à l'Artsaska. Ok, donc ça, c'est la liste des criminels recherchés. Donc, si un des criminels se présente, il suffit que je sélectionne en fait la photo et sa tronche. Et puis il sera arrêté tout de suite en fait. Donc je vais vérifier tout cela. Bah comme là en fait. Voilà. Hop, je fais ça. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Où, en fait on remarque bien au niveau des photos, parce que c'est vrai que là... C'est un peu plus compliqué, mais au niveau des photos, si, ça se voit bien. Donc on vérifie, et puis voilà. Alors, passe diplomatique. Ah, le passe diplomatique. Validité permanente. Virpi Mertin, 1583. Alors, il faut que je vérifie au niveau du... Ah, comment ça s'appelle? De ça, là. Fuck you, je sais plus. Tac, 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 import. Nope. Ah, j'ai bien fait de vérifier. Le sceau, voilà, merci. Oh. Oh, dans le jour, j'ai du mal. Oh là là là. Vous n'avez pas l'autorité pour faire ça. Si, si, j'ai appuyé sur le bouton. J'ai tous les droits. Oh, j'ai bien fait de vérifier. Hein. C'est rare que je le vérifie, mais... Oh, salut. Qu'est-ce que tu me dis? Aller rapidement, puis à restituer au messager. Grosse somme d'argent a été une erreur. Ministère de l'Information enquête désormais sur votre connexion avec Kizik. Prochain agent arrive aujourd'hui et résoudra vos problèmes. Refusez-le à vos risques et périls. Ok. Ça marche. Ouais, bah oui. J'aurais pas dû accepter les sous, mais je voulais voir ce que ça faisait. Bref. C'est parti. Alors. J'ai trop de trucs. Alors, 1m62 ou 64 kg, cheveux courts, ondulés, ça c'est bon, 19-12 c'est bon, tiens, t'es ingénieur, j'ai vu, clac. Elena Bocrasin, ok, travaille 6 mois, j'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Oh là. Ok. Allez, hop, ça c'est bon. Trop de trucs à rendre. Faudrait un box plus grand, les gars. Parce que là, ça ne va plus. Bonjour, madame. 2 mois, d'accord. 1m61, 60 kg. Cheveux bouclés au bol. Ouais, 13, 12. C'est très précis, hein. Cheveux bouclés au bol, attention. Hein. C'est pas à l'assiette. Pardon. Je suis juste fatiguée. Désolée. Je viens de me rendre compte en fait que je n'avais pas de chrono. Super. Oh bah, c'est pas grave. Je verrai combien ça fait. Non. Hop, oh, pas madame. J'ai pas mis de chrono, je suis bête. J'ai oublié d'en mettre un. Bon, tant pis, on finit le jour là et puis je ferai une petite ellipse. Pour voir un peu ce que ça dit. Octovalis, c'est bon. 1m79, 63 kg, c'est bon. 24,9, 55, c'est bon aussi. Tu es recherché. Tu as cru ma voix. Je n'aime pas le ton de votre voix. Au revoir, madame.
Donc ça fait 2 sur 3, c'est déjà pas mal. Peut-être on va avoir la troisième. Ah, c'est pas mal ça. Ah ouais. Toi, t'as failli complètement. Alors toi, t'es vraiment con par contre. Hein. Mais vraiment. Faut être con pour donner deux passeports. Et une carte d'identité. Alors, Obristan. T'as de la chance, le saut il est beau. Alors, 17, 11, 80. Je suis désolé, mais non, ton passeport il est pas valide. Donc, ciao. Hasta la vista. Tu es denied. J'ai le pouvoir du tampon en moi. J'ai fait des années d'expérience. J'ai bac plus 9 en tampon. Oula. T'as pas la même gueule. Oh! Je ne peux rien dire en fait parce que c'est celle que je dois laisser passer. Donc, hop. J'ai pas eu d'avertissement. Donc je la laisse passer. Voilà. Je suis obligée de la laisser passer. Oui, je vais me prendre un avertissement, mais ce n'est pas grave. Je sais, la photo ne correspond pas. Mais je m'en fous. Il te manque un truc, toi. Une fiche de quoi? Eh ben... Une fiche de... Bah, tu vas aller la chercher et puis tu reviendras quand on aura... Voilà. Aussi simple que ça. Pepper. Visite. Quelques semaines. Ok. Alors, 1m77, 68 kilos. T'as un book 12-12-82. C'est 12-12. C'est pensé à quelqu'un, ça, 12-12. Ça, c'est bon. Kolechi. Non, Kolechi, c'est... Vador, pas Vador, là c'est Dark Vador. Non, t'as rien compris à la vie. Il est con ce mec. Hop. Oui, je ne m'embête plus à faire un deny de refuser. Non, non, moi c'est arrêt de station, ça fait gagner des sous en plus. Donc hop. Paper. Bonjour monsieur. Ça m'étonnerait, ça. Alors, tu es en transit et tu restes pour toujours. C'est pas possible. Tu vas finir comme dans le terminal, le film. Deux petites semaines. Ouais, ouais. Antonio, puis tu es... Ça, c'est pas bon non plus. Voilà. Maintenant, en fait, il y a plusieurs erreurs dans le même truc et c'est super chaud. Tu viens de le renouveler. Ça m'étonnerait. Au revoir, monsieur. Allez. Bientôt l'heure de finir. Longs cheveux ondulés. Tu as une sacrée permanente, mon coco. Hop. Non, c'est faux. Haha. Je ne sais pas quoi dire. Ben voilà. Ah, en plus, c'est la fin de la journée. C'est parfait. Je vais pouvoir voir combien de temps l'épisode y fait. Et puis. Puis voilà. Ça va être génial. C'est génial. Votre fils est malade et a besoin de médicaments. Oh, double clic pour l'inspection rapide. J'améliore. Je fais juste une toute petite coupure, je vous reprends tout de suite pour voir le temps que si ça suffit ou si on refait un jour de plus. A tout de suite. Re les amis, ça fait 19 minutes donc je vais arrêter là et la suite ce sera dans l'épisode 7 de Paper Please. Donc sur ce je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit, tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, merci. Enfin, vous pouvez liker, partager, commenter, faire tourner à tout le monde.
et vous abonner à ma chaîne aussi, c'est important. Et voilà, donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut.